Bonjour à tous, c'est Utio. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo découverte sur Styx Master of Shadow. Donc, c'est un des jeux gratuits par rapport à Play Plus de ce mois-ci. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais regarder les difficultés. C'est quoi ça? Adapté pour un joueur aimant les défis. Enfin, voilà, je joue en normal. Donc là, je découvre le jeu en même temps que vous. Le jeu avait l'air sympa d'après les miniatures, je vais voir ce que ça donne. Le chargement a l'air assez long quand même. J'espère que ça ne va pas être trop long non plus. Appuyez sur la touche croix. Ok. Je vais vous laisser la vidéo. This is what humans do when they don't understand a thing. They build walls around it. They put locks on the doors, and they put soldiers in front of those doors. The bigger the secret, the bigger the lock. And the craziest are those who want to pick it. Ça a l'air sympa comme jeu. Oula, c'est bizarre leur truc. D'accord, on est le petit gobelin en fait. Les elfes donnent des noms à leurs monstres. Vu que la cinématique a l'air longue, je vais la faire en deux vidéos, la découverte. L'histoire est un peu farfelue quand même.
On va commencer à jouer là. Voilà, enfin. Donc le gameplay. Ah, les sauts sont un peu de tense. Rond dont on s'accroupit. Je rappelle bien sûr que je suis sur PS4. R1, il y a les galipettes. Les roulades. C'est quoi ça? C'était écrit X ou je sais pas quoi, bah, bref. Sauter. Voilà. Ah, ça a l'air d'être vachement sympa quand même. Faut voir après les combats comment ça se passe. Oups, merde. Par où je remonte? Ah ok, il y avait la lumière pour me l'indiquer. Bon, on va aller les suivre. Ouais, faut aller doucement, il n'y a pas de rebord qui nous tient comme dans certains jeux où on peut pas tomber des poutres. Là, faut vraiment marcher au milieu. C'est quoi ça? Fiole de vie. Une fiole de vie comme ça aussi. Ah ok, ma jauge de vie, je vois où elle est. En bas à droite. Hop. Ah, mon lac classique. Ah ouais, bah ouais, ils sont marrants. Hein. Ah oui, si je pouvais descendre par là, je suis con. Ok, là faut juste pas faire de bruit. Ok, d'accord, un coup je suis mort. Là, je pense que je devais rester accroupi pour rester discret. Là, les chargements sont assez longs, par contre c'est vachement désagréable. C'est limite aussi long que les chargements de GTA quoi. Pourtant, c'est pas le même gabarit de jeu. Voilà. On réapparaît où? Ok. Ça va aller vite, je vais éviter le saut et le balai. C'est droit. Ah ok, en fait je récupère ma dague dans la... Ok. Éteindre. Ah non, c'est vers ma dague, la dague n'est pas encore ici. Ok. Ouais, juste les mettre dans le noir pour passer discretos. Pourquoi activer? Il est où le bouton? Voilà.
Ok, donc tout se passe autour de l'arbre. On va rester dans la zone là, on va essayer de se rapprocher au fur et à mesure, quoi. Là, je vais faire seulement une vidéo découverte. Si ça vous intéresse que par la suite je la continue pour en faire un let's play, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, je serai de voir en fonction du temps que j'ai. Donc précisez ça dans les commentaires de la vidéo. Ok, je crois savoir, il va falloir aller en dessous de l'autre estrade rapidement et discrètement pour accéder à derrière ensuite. Sympa la petite phase d'infiltration quand même. Oups, attendre un petit peu qu'il passe. Voilà. Voilà, elle est là la dague. On retourne les buter ou ça se passe comment? Là il y a un plan. Ramasser. Ah, pavé numérique pour le plan. Ah ok, d'accord. Les chemins. Faut les comprendre hein, leur plan. Regardez. Magnifique. Quitter carré. Maintenir pour déverrouiller. Ah, déverrouiller une porte, c'est assez long. Ah, il y a quelqu'un qui arrive ou. On va ouvrir quand même. Ok, d'accord. Donc on se barre par là. Voilà. Tout simplement. Ah bah voilà, est-ce qu'on peut le tuer d'en haut? Genre on saute et on bute. Bof, mais bon, ça a marché. Porter le corps. Une armoire classique. Ah, franchement, bien fait ce petit jeu-là, il est vraiment sympathique. Là, son livre, il servait à rien. Oh, ça a l'air vraiment pas mal. Assassiner et parler, c'est la même touche. C'est original. Activé. Parade carrée. Bah oui, mais. Les parades ne marchaient pas. Il va falloir appuyer pile poil au bon moment. Ça a l'air bien galère. Encore ces temps de chargement assez longs. Ça, tu dois vite rager. Quelqu'un qui meurt souvent, il va vite rager avec les temps de chargement, quoi. Donc, on réapparaît où ici? On ramasse la potion. Je vais même l'utiliser, même s'il ne manque pas toute ma vie.